De tous les slogans affichés pendant la campagne électorale, les soins gratuits dans les hôpitaux et l'emploi des jeunes font partie des principales requêtes de nombre de Congolais appelés aux urnes le dimanche prochain. Dans un pays où 60% des jeunes diplômés sont sans emploi, ils préconisent plus de formations qualifiantes. Il y a trop de diplômés. Il faut former les jeunes à travers ce qu'ils vont faire à la fin. Former les jeunes sur la mécanique, sur beaucoup de choses, l'agriculture. Et surtout sur l'agriculture. Le prochain président, ce que nous attendons, c'est l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Que ce soit en matière d'éducation, en matière du travail. C'est vraiment, il faut qu'il y ait vraiment un changement sur tout ça. Les 9 candidats en lice pour la présidence ont inscrit au centre de leur programme l'emploi des jeunes. De nombreux Congolais n'attendent que la réalisation de ces promesses de campagne.